Les professionnels de la sécurité sont soumis à un code déontologique strict qui proscrit les frappes sur certaines zones du corps humain. C'est pourquoi la FFBD Self-Défense a adopté un code de couleur résumant ces différentes zones. Zone rouge. Ces zones dangereuses sont interdites à l'entraînement pour des raisons de sécurité lors des formations et pour éviter des réflexes de riposte disproportionnés par rapport au cadre de la légitime défense. Dans certains cas de menaces mortelles, les ripostes en zone rouge avec le tonfa pourraient cependant être légitimées. Les frappes en zone rouge peuvent entraîner des blessures très graves, comme un risque de stérilité en cas d'atteinte au triangle génital, voire la mort lors d'atteinte à la tête ou au cou. Zone orange. Ces zones sensibles peuvent subir des frappes sèches mais sans acharnement. Les frappes en zone orange, s'il y a répétition des coups, peuvent entraîner des blessures très graves. Zone verte. Zone privilégiée d'intervention. L'utilisation du bâton de défense à poignée latérale sur les zones vertes n'entraîne pas de danger mortel pour la personne interpellée. Pour cette raison, les professionnels de la sécurité privilégient les interventions sur ces zones vertes.